Petit avertissement, le fond des explications montrera des fails, car évidemment, la vidéo d'hier n'était rien. Comme vous avez pu le constater, la vidéo du 30h08 ne fonctionne pas sur mobile. En effet, il y a plusieurs musiques copyrightées dedans. Cela fait que le 30h numéro 8 n'est disponible que sur PC. Mais comme on n'a pas envie de bosser pour rien et que ceux qui n'ont pas PC veulent voir quelque chose, j'ai remis l'intro dans cette vidéo parce que l'intro nous a pris trois plombs, donc ce serait bête de pas vous la montrer. Voilà, c'est tout. Bon visionnage. Mon vœu, mon dieu, mon dieu, mon... J'ai rien compris avec le masque. Pardon, je disais... Mon vœu, mon dieu, mon dieu, mon... Ah, d'accord, ouais. Ouais, donc... C'est bien le bar, ici? Non. Vous foutez de ma gueule? Ouais. J'aime ça. Bah, vous n'entrez pas? Non. Pourquoi? Le projecteur est juste devant la porte. Je peux pas passer. Bonjour. Je vais prendre du whisky. Vous me parlez de poudre, monsieur? Ah, merde. On l'a refait. Je vous sers quoi? Un anachronisme. Ok. Un anachronisme et une référence dans la même scène. Pas mal. C'est pas vrai. Encore toi. Qui ça? Moi? Oui, toi. Moi? Mais non, pas toi. Moi? Mais non, moi. Lui, là. Non, pas lui. Moi. Toi? Oui, moi. Lui. Mais non, non, lui. 1, 2, 3. Des noix. 4, 5, 6. C'est une saucisse. Bon, stop, stop, stop. On arrête tout et on fait un duel de cow-boy, d'accord? Essaye un peu pour voir. D'accord. Mais d'abord, je dois comprendre comment marche ce flingue. Pas de chance, parce que moi, je sais comment on sert d'un flingue. Non, mais il est à l'envers, là. Il est vers le bas. Là, il est pointé vers toi. Là, il est en diagonale. Non, mais là, c'est même pas un flingue, c'est une fourche. Tiens, prends ça, piou piou, pan, ah, t'es mort, youpi! Pour ceux qui se posent la question, c'est dans la scène post-générique qu'il y a une musique copyrightée, donc je ne peux pas la remettre ici. La scène post-générique montrait plusieurs plans de l'antagoniste qui recevait un coup de téléphone, puis se levait, rechargeait son pistolet. Après ça, il y avait un fond du noir. On voyait qu'en fait, c'était une porte qui s'ouvrait avec le méchant qui sortait de la salle, et la porte se refermait, et juste après, on voyait le symbole à suivre. Pour ceux qui avaient un peu envie de savoir l'esprit de cette scène post-générique, le lien de la musique est dans la description. Allez, à la prochaine !